Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui, on se retrouve, tout d'abord j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une balle, regardez-moi ça, j'ai reçu une superbe enveloppe avec un beau sapin colorisé, un petit bonhomme de neige là, le sapin est super beau. Et cet envoi me vient de Sylvie, notre Vivi Scrap que tout le monde aime, tout le monde adore. Voilà, elle m'a fait parvenir un petit envoi. Donc, allez, c'est parti. Plutôt de ce côté, parce que si je veux récupérer les petits tamponnages. Alors, Vivi m'avait dit, oups, son adresse, que elle me faisait partir un petit envoi. Donc, on va regarder ça. Waouh! Qu'est-ce que je vois là? Oh, waouh! Alors. Oh, ça a dû s'échapper de là, je pense. On va voir après. Déjà, une superbe carte. Avec la petite maison colorisée, le sapin, la petite biche, joyeux Noël, le flocon. Écoute Vivi, il n'y a pas de souci pour ton écriture, j'arrive très bien à te lire, il n'y a pas de souci. Et puis bon, hein, on sait par quoi, voilà, je ne m'étale pas, mais bravo, franchement, tu m'épates, je suis très très fière de toi. Oh, c'est magnifique, une jolie carte de Noël rouge, comme on les aime. Et puis là, alors Vivi sait que j'ai un amour inconsidéré pour Alice au Pays des Merveilles. Depuis quelques temps, j'ai complètement flashé dessus et je veux me faire un genre d'album junk journal, un album photo qui réunira en même temps les deux, le junk, l'album photo. Enfin, j'ai un projet dans la tête et elle m'a dit je vais t'envoyer plein de trucs. Bon, bah effectivement, on va commencer par sa petite pochette là, avec une très belle épingle avec une clé. Voilà, ça ira dans le junk. Alors forcément, tout est en rapport avec Alice au Pays des Merveilles. Là, il y a le petit jeu de cartes. Oh, là, je vois une chose magnifique. Oups! Oh là là, j'ai des perles qui se sauvent. Alors, j'ai tout plein de perles. J'ai une petite montre comme ça. Ça va être trop bien pour mettre dans le junk. Un deuxième jeu de cartes. Une jolie montre aussi comme ça. Qui fait un peu montre à gousset. Un brad quoi. C'est magnifique. Oh, bah ça je ne connaissais pas. Une épingle. Oh, alors c'est toi qui l'as collée. Une épingle avec une montre aussi. Vous savez que Alice dans Alice au Pays des Merveilles court toujours après le temps. Ou c'est le chat là qui tic-tac, tic-tac. Et ça, ce ruban de petites perles, c'est trop trop beau aussi. C'est tout fin, c'est chouette. Oh là là, merci Vivi. Franchement, déjà rien que ça, je suis hyper comblée. Et puis alors, plein de petites perles. Hop, je vais les remettre dedans pour ne pas les perdre. Je vais refermer le petit sachet comme tu l'avais fait. Et je vais poser là. Alors là, qu'est-ce que tu m'as fait? Alice Aventure in the Worldland. Le monde des aventures d'Alice, je pense. Ah ouais. Tu m'as fait tout un collage, tout un petit livret avec ta petite signature, Vivi Scrap. Alors, comment est-ce qu'on ouvre? C'est une flippette, une attache parisienne, pardon. Hop, que je vais récupérer, bien sûr. Et dedans, tu m'as mis... Waouh. Démoulage horloge. Pas couleur or. C'est beau, ça. Et là, il n'y a pas la même heure. Ici, il est 10h. Et là, il est presque midi ou minuit. Et puis alors, tout plein d'images Alice. Ah ouais, regardez.
Ça, c'est trop beau. Alice, là, avec le petit lapin qui court après le temps. Ah, puis ça, c'est des images un peu vintage. Ah, j'aime beaucoup. Je suis tombée en amour sur cette Alice. Et puis, j'ai ce projet dans la tête, là, de temps en temps, sur un petit cahier, je note. Ah, ouais. Là, c'est la reine de je sais plus quoi. Je crois qu'il y a la reine de cœur. Ici, là, il doit y avoir toutes les reines. Oh, c'est chouette. Il va falloir que je re-regarde le dessin animé. Oui, ça c'est le quand il déjeune. Là, c'est quand elle prend la petite pendule. J'ai des restes du film. Et quand il n'y en a plus, eh ben, il y en a encore. Hop. Je vais les sortir sans les abîmer. Petit peu collé au fond, voilà. Ah, ça c'est la petite aiguille qui a dû tomber. Ah oui, d'accord. Eh bien, je la recollerai. C'est pas grave. Et ça, je vais m'en servir. Ça fera une page dans le junk. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, les images en plus petite taille, toujours. Ici. Alors, je pense que je vous ferai une vidéo de la progression de cet album, de mes idées étape par étape. Ce sera un tuto si vous voulez, mais il y aura plusieurs étapes. Je vais essayer de vous filmer ça parce que j'ai des idées vraiment, ça fourmille dans ma tête. Ça, c'est sur du papier photo, c'est trop beau aussi. C'est glacé, c'est joli. Là aussi. Là, j'ai tout plein d'horloges que je vais pouvoir découper. Là encore, du papier photo. Oh, franchement, Vivi, tu es un amour. Je le savais déjà, mais bon. Oh, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Non, ça fait un petit peu vintage. Elle est vraiment jolie avec ce bleu-là. Wonderland, le monde, Wonderland, Land, ça doit vouloir dire monde ou country, le monde d'Alice. Celle-ci est très belle aussi. Ah, curieuse et curieuse. Ce sont très jolies tes images. Le lapin qui court après le temps. Lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Faut absolument que je re-regarde ce film. Parce que c'est bien de dire qu'on est en amour, mais si on ne maîtrise pas le sujet dont on parle, c'est pas la peine. Oh là là. Ah, Alice toute seule. Ah. Alors là, ça fait un peu Alice. Comment Halloween. Mais voilà, c'est très joli. Très joli. Parce que je pourrais peut-être partir. Voilà, ça me rajoute une idée sur un album junk sur une année. Il pourrait y avoir l'époque d'Halloween. Celle-ci aussi est très belle. Ah ouais, ça c'est super beau. Regardez. Ah oui, j'adore. J'adore, j'adore. Des petits fanions, des petits tickets. Alice, toujours. Eh bien, dis donc, ma Vivi, mais je vais avoir de quoi faire là. J'ai de quoi remplir mon. Regardez là, sur un espèce de héron de flamant rose avec la pendule dans. Ça y est, je ne sais plus où j'habite. Hein. Excusez-moi. Avec la pendule dans le bec. Oh, celle-ci là, où le lapin se fâche un peu. Dépêche-toi, retourne d'où tu viens. Ça, je me souviens qu'Alice, par moment, elle tombe de très haut pour aller rejoindre le pays d'Alice au pays des merveilles. Oh, mais où c'est que tu as trouvé toutes ces petites images? Elles sont trop belles. Waouh. Là aussi. Ah, mais c'est du Alice, hein, je vous avais prévenu. Ça aussi, j'aime beaucoup.
Là, celle-ci, elle est belle avec son espèce de manteau, là, sa capeline, c'est beau. Alors là, c'est pareil, c'est sur du papier photo. C'est beau. Une partition. Les soldats. Non, ça, c'est encore une autre reine. C'est une autre reine. Ah, c'est beau. Là, c'est le repas. C'est trop chouette. Franchement, c'est magnifique. Et là, ici, ça va même me permettre de pouvoir ajouter ou un petit tag avec du texte et tout. Oh, c'est beau. Ouais, ça, c'est le jeu. Le décor Alice. Là aussi, ça fait un peu Halloween. Ça pourrait aller aussi dans le thème Halloween. Oh là là, mais il y en a un paquet. C'est fou. Oh, regardez-moi ça. Je ne sais plus quoi dire là, c'est chouette. Oh, celle-ci, j'aime beaucoup. Elle est montée sur sa tasse de thé. Regardez. Et là, elle est accrochée à la pendule. C'est chouette. Et oui, est-ce que ma montre fonctionne? Vivi. Oh, date du 29 juillet, ça pourrait être presque être la date de mon anniversaire. C'est rigolo. Et puis celle-ci, la petite dernière, Joker, la carte de Joker. Là, c'est le lapin. Et là, c'est de l'autre côté. J'aime beaucoup. Eh bien, écoute, Vivi, merci énormément. Voilà de quoi faire plein, plein de choses. J'ai plein d'idées qui me viennent dans la tête. Je vais vite recoller cette petite aiguille. Je la mettrai peut-être pas au même endroit d'ailleurs. Tiens, voilà, pourquoi pas, hein. C'est trop beau, j'aime beaucoup. Ça, c'est magnifique. C'est énormément de travail pour toi, Vivi, en ce moment, je le sais. Donc, c'est pour ça que ça me touche d'autant plus que tu m'aies fait cet envoi. Je te dis un grand merci avec le cœur. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.